Pour moi, c'est une façon d'être avec les autres. Je ne peux plus concevoir ma vie sans le don, sans le bénévolat. Le fait de s'engager dans des associations ou de devenir bénévole, c'est de créer des liens avec des personnes et je pense que c'est le but de la vie, en fait. Pour être bénévole, il faut être passionné, il faut être à l'écoute des autres, échanger, partager. On a vécu des moments intenses dans l'engagement de notre projet associatif. Ce qui procure du bien aux autres, me procure du bien aussi. Et c'est trop chouette, quoi. C'est trop chouette. Ouais. Être généreux d'une certaine manière, d'être prêt à donner un peu de son temps, d'être à l'écoute, d'être bienveillant autant que possible. Et puis de profiter, en fait, arriver à profiter de ce qu'on fait, parce qu'on va donner un peu de son temps, mais beaucoup recevoir en retour. L'envie d'aider chaque personne dans une association et faire ensemble quelque chose de bien. Il n'y a pas vraiment de compétences pour être bénévole à part vouloir servir. Donc du moment qu'on est là pour aider, ben on y va, quoi. On a envie de donner de son temps, on a envie d'apporter ses compétences, ses connaissances. On donne comme on peut. Le peu qui est donné, c'est toujours bien pour une association. Seul, on peut faire des choses fantastiques. Les faire ensemble, ça rajoute quelque chose de l'ordre de l'excitation, du bien-être. C'est ça pour moi le bénévolat. Partager une passion, un hobby avec les autres. Il faut aimer les gens, il faut aimer son prochain, parce que si on veut rendre service aux gens sans que ça nous coûte, il faut aimer les gens. Donner juste un petit peu de temps, de se renseigner juste sur les associations qui sont à côté de chez nous, ça permet déjà de découvrir et puis pourquoi pas faire des belles rencontres. Si vous saviez tout le bonheur que nous apporte le bénévolat, vous en feriez déjà. Alors, foncez !